Attendez, je crois que c'est le match. Je crois, oui. Je crois que c'est du match. Alors attendez. Scorpion. Je m'en sorte un peu. Artemis, elle joue pas. Elle joue Falco, apparemment. Check. Parfait. Les dégâts avec son Mart. Au secours. Ok. Donc voilà, je ne suis pas sûr que ça soit du bottom check, je ne pense pas vu comment ça, ça joue sérieux, mais peu importe, on a Artemis, joueuse de Iceland, c'est quoi en français, j'ai oublié, Iceland c'est Island, simplement. Bah, qui est là en ce moment sur Lyon pour jouer un petit peu à Melee et aussi à Pelplus du coup. Et c'est sympa d'avoir des nouvelles têtes. Et qui affronte donc Pegaginka, un joueur ne plus présenté du côté de Melee, un ancien main Mart, main aussi Fox maintenant je pense, et qui joue donc aussi Mart sur Pelplus, et il a un petit walk au cas où ça se passe mal. Donc c'est pas mal. On a un match plutôt serré, Pega qui s'en sort plutôt bien. Salut Kenma, comment tu vas? Et Pega pour l'instant qui arrive bien à gérer les ricos d'Artemis. Et ça va prendre une stock vraiment très... ça va super, merci. Moi le son de mon micro. Alors attends, comment on fait? Alors attends. À la limite, là, est-ce que c'est bon? Dis-moi. Je vais juste rapprocher le micro de ma voix, donc normalement ça devrait être mieux. Donc oui, Pegaginka qui gère vraiment bien le match-up pour le coup, Artemis qui galère à égaliser, il y a du grattage hein, du côté de Pega, ça se passe vraiment bien. Et là je pense juste un petit peu et c'est la fin. Ça n'arrive pas, malheureusement ça n'arrive pas à conclure la troisième stock ici, c'est maintenant que je dis ça que ça se passe. Rien n'est perdu, encore une dernière stock pour espérer prendre cette première game pour Pega, alors que pour Kepega, il suffit d'un tipper et c'est terminé. Ok, Artemis envoyé off stage, on arrive à Arico avec ce side B, Clank sur les Penmarks. Oula, c'est compliqué, phase de juggle, évidemment, c'était un peu dur. 1-0 Pega. Ah bonsoir hein. Allô, on m'entend? Bonjour. Oui, on t'entend, bonjour, bienvenue chirurgien. Et ça a bugué. De quoi ça a bugué? Ah oui, yes. Il est où Tu sais comment on lance ça? Normalement oui je sais. Attends. Reste en reboot. Trop bien. Normalement ça devrait. Ouais. Bah attention, tu sais faire Pega, non? Ouais, voilà. Super nickel, et ça commence bien ce tournoi. Bah, je suis arrivé, c'est le bordel. Bravo. Oui, regardez, oh là là, qu'est-ce qu'il est magnifique, qu'est-ce qu'il est beau. Bonjour, monsieur chirurgien. Bonjour, je viens de me réveiller. Oh ouais, ouais. Et comment ça se fait? Je suis mort de la semaine. Ah, je suis décédé. T'es couché à quelle heure? Je me suis couché à 2h du matin. Mais non, attends, je me suis réveillé à 11h. Tu sais, j'ai un chat qui arrive ce dimanche là. Oui, 16h, oui, j'ai c'est un vrai. Gros oui. Chat. Ouais. Je suis allé à Animalist, le meilleur magasin au monde. Genre dans cet endroit, c'est incroyable. Attends, on n'entend plus le son du jeu là, c'est quoi ces conneries? Ah putain, exact, oui. Il n'y a plus le son du jeu. Attends, bon, c'est pas grave. Bon, il n'y aura pas de son du jeu, c'est pas grave les gars. Pour cette game, il n'y aura pas de son du jeu. Oh merde, est-ce qu'on a l'image du jeu? Il n'y a pas l'image du jeu. Ah putain, on n'a plus rien. Il n'y a plus rien, attendez 2 secondes. Attendez 2 secondes. Parce qu'on n'a plus rien officiellement. Est-ce que c'est parce que... Attends. Oh, j'en ai aucune idée. Change la scène pour voir. Rechange la scène. Non. It's the big sauce. Attends, Pega, 2 secondes. Je vais chercher des... Ah, mais Dixar, il joue. Il joue, là. Oh, c'est chiant. Je vais quand même aller chercher. Je sais pas comment on fait. Je vais chercher Dixar. Je vais attendre qu'il sa game et je... Va chercher Dixat, là. Ouais. Kenmax, c'est la sauce, là. Le jeu a crash. Et maintenant, sur le stream, on a plus le son, on a plus l'image. No picture on the stream. Let's go. RIP. Envie de crever en fait. Oui.
Les sources du stream, non, je sais pas. Je sais pas comment faire. Ouais, t'inquiète. Alors, Elgato, tu fais. Il doit y avoir refresh quelque part. Oh non, je pense que non. C'est pas mieux. T'as tout cassé là. J'ai tout cassé là. Arrête. Vous avez encore fait. Bah, en fait, c'est simple. Ça marche plus. Ça a cassé le jeu et y a plus l'image. Bravo. En gros. Vas-y, vas-y, ça marche. T'inquiète. À l'aide. Oh là 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 là. Envie de crever. Je sais pas. Normalement, c'était tout noir et là, Pega, il a touché un truc et c'est tout gris maintenant. Donc, il n'y a plus rien qui va là. Merci, Pega. Je pense qu'il a empiré le truc. Parfait, parfait. Trop nul à chier. Ah, let's go! Ah, let's go, let's go. Merci, mais ils sont trop chauds. Vous avez fait quoi? Ça marche. Yes. Merci, les joueurs. Ils ont tout réussi. Ils sont trop chauds. Bravo à eux. Bah, c'est bon. Vous pouvez y aller. On disait. Bah du coup j'ai plus mon mate de juste sur Ruchien qui me dit bonjour. Et ça a changé de personnage pour Artemis. Ça a pris. Ah Evizor. Attendez. On va aller chercher ce monsieur. Non c'est R bizarre. Voilà. Parfait. Donc un petit zéro pour Sir Pegaginka. On va voir si Artemis va réussir à. Eh ben, à counterpick comme il faut. Est-ce que c'était une bonne idée de prendre un Ivysaur? Peut-être, parce que Pega, je ne pense pas qu'il connaisse très très bien ce personnage. Et je ne sais pas si c'est le cas aussi pour Artemis. A voir. Et ça a l'air de plutôt bien se débrouiller quand même. On a des choses sympas qui se passent. Et pour l'instant, il n'y a pas de stock de prise. Ouh, ça s'est mis en désastre très mauvais ça du côté d'Artemis, mais bon on a eu de la réussite parce que s'il n'y avait pas le tipeur de trouver du côté de Pega et toujours pas, ça tue pas Marx. Ah, c'est la mort là, c'est complètement la mort. On prend l'avantage hein, du côté de Pega, un peu à l'image de la dernière game. Et là ça va commencer à gratter un peu comme tout à l'heure. Il va falloir pas laisser Pega prendre l'avance. Et prendre très vite cette stock. Oh le jab il envoie loin. Ah dommage, j'avais une punish là. Artemis qui a pas réussi à rentabiliser. C'est un petit peu dommage. Oh, oh le down smash. Le down smash là. Non, ne meurs pas s'il te plaît, ce serait dommage. Une grosse punish ou F-smash du côté de Pega. Allez, pourquoi pas une petite phase du coup pour Artemis. On tombe pas dans les pièges, dans les tentatives de combo break hein, de Pega. On chip bien ce qu'il faut et on commence à revenir du côté de pourcent. Ah oui, attends, il y a quelque chose là. On n'arrive pas à land. Enfin, on arrive à land. On reverse en plus de ça. Est-ce qu'on va réussir à rentabiliser ça? On a chargé un gros up smash. Heureusement c'est sur le shit de Pega. Il s'est pas fait avoir là-dessus. Il est dans l'air. Oh non, on est tombé dedans. On s'est fait avoir par le. Qu'est-ce qu'il branle? J'ai cru qu'il s'était tué tout seul. Ouais. Bien vu, allez, égalité Artemis qui a eu ce beau hedgehog. C'est bien. Ouh, pas mal là ce qu'elle nous offre. Ouais, par contre, Pega là, quand il s'énerve, ça peut faire très mal. Il a plus de saut. Il a plus de saut. Saut dans la zone rouge. On se prend un backer dessus. Tu remontes jamais, mon gars. Et petite légère avance hein, du côté d'Artemis.
forcément faut rien n'est joué, hein. faut rentabiliser, elle peut se faire tuer très très rapidement. Avec Mars. Ah non. Ah non, ah non, c'est un peu dommage là les suicides. Ouais, c'est dommage, on a perdu un petit peu le momentum qu'on avait là. Oh, c'est bien ça, pas mal. On commence à récupérer petit à petit. Ok, le F-Smash qui était... je pensais que ça mettait safe, mais ça l'a pas mis safe du tout. Et un reverse. Ok, petit combo breaker avec la Liane qui traîne. Ça cherche encore en neutral. Tentative full up, le perk qui passera pas du côté de Pegaginka. Mais on commence à se faire juggle la plateforme qui vient le sauver cette fois-ci. Et on se prend un dash F-Smash tipler. Et Pega qui vient récupérer la game et le set là-dessus. Bravo à lui, c'est dommage pour Artemis parce qu'elle commençait à prendre de l'avance et de l'ascendant sur cette game 2. Et ça aurait pu le faire, je pense. Un petit peu dommage, bien vu à Pega qui remporte son tour 1 et qui affrontera un certain Dr. Crow en tour 2.